I don't want to set the world on fire. I just want to start. Ah, là j'ai pu ouvrir une clé, enfin une porte avec une clé. Message de Béatrice. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Mince, excusez-moi, je me perds dans les menus. Message. Oui, donc sinon ça c'est pour Point Lookout. Message de Béatrice. Je ne sais pas qui lira cette lettre, mais elle vous est destinée. La personne assez sournoise pour m'avoir volé la clé, franchi les interdits et pénétré dans ce sanctuaire possède les qualités que je recherche. Venez me voir, j'ai quelques missions à vous confier. Ceci n'est pas un piège, c'est une offre sérieuse. Ok. Bon, moi j'irai voir Béatrice la Poufiasse. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, ok. Donc honnêtement, je pense pas qu'on va lire ça. On va perdre du temps sinon. Ok. Aucun intérêt pour l'instant. Par contre, je veux bien voir ça, les origines des portes 112. J'espère que votre projet Tranquility est en bonne voie. Ici l'Amazonian, la construction de notre abri est quasiment terminée. Voltec est en pénurie de portes étanches et m'oriente vers vous. Pour vous solliciter, selon eux, votre abri 112 a été doté d'un nombre anormal de portes par rapport aux abris conventionnels et ils soupçonnent une erreur de livraison. Par ailleurs, si vous me concédez votre reliquat de portes, je vous offrirai en retour 3 unités pour serveur central. Ouais, ok, d'accord. Bon, en fait, je pense que c'est une grosse explication du pourquoi, du comment il y a des portes de l'abri 112 dans cet hôpital, en fait. Ok, donc là, on va éviter d'y aller. Ok, allez, continuons par ici. Salut. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver... Béatrice, elle doit être en bas, je suppose, quelque Salut. Part. Salut. 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 Tout le monde me dit salut. Qu'est-ce qu'ils sont polis. Salut. Alors, il y a vraiment des gros bugs bizarres, hein, quand même. Excellent. N'empêche, ça, c'est une preuve qu'ils utilisent vraiment des textures qui existent déjà. Hein. Bonsoir. Bon, en tout cas, il y a que Bonsoir. Des femmes, il n'y a pas un homme. Bonsoir. Bonsoir. Béatrice. Salut. Bah voilà. Oui. J'ai vu votre lettre dans la salle des ordinateurs. En effet, voyageur, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Suzy et moi allons tester tes capacités avec quelques missions. Vous avez une mission pour moi? Oui, un espion de l'enclave nous a volé un holodisque contenant les emplacements de nos bases secrètes. Notre contact nous a informé qu'un officier est chargé d'amener l'holodisque à un spécialiste en décryptage. Donc je vous charge, Vera et toi, d'intercepter cet officier et de récupérer l'holodisque. Ok. Merci pour Salut. Les skin packs. Hop, une petite gorgée de café. Donc, données confidentielles, rencontrer Vera au parking. Donc on va faire ça. Attendez, je surveille l'heure aussi, il est 17h33. Allons-y, allons-y. Donc on va voir ce que ça donne. Donc l'enclave, petit rappel, l'enclave c'est en gros c'est l'organisation présidentielle, c'est le gouvernement américain. Officiellement c'est ça en fait. Salut. Mais officieusement c'est juste... Bah, c'est juste un président qui fait de la propagande, qui fait croire qu'il a été élu alors que c'est pas le cas. Ah, je vais laisser le champ de force comme ça, ça sert à rien, c'est une perte de ça temps. Fait plaisir de vous en plus, voir. Ils le remettent tout seul, non, comme ça. Donc, allons-y. Salut. Ah, mais attendez. Ah, voilà, la voilà. Bah, c'est bon, en fait. Oui. Ouais. C'est juste que on devait m'indiquer l'endroit où elle était au moment... où je cherchais dehors et que c'était pas au bon endroit à ce moment-là, donc... Alors, à propos de la mission, bouge tes fesses, on doit se dépêcher. Ouais, sois gentil un petit peu, quand même.
Moi aussi, je peux sortir de... Putain, c'est cheaté le nombre de munitions que j'ai. Allez, à l'attaque. On est des soldats. Ouais. Donc là, je crois que c'est des raiders. Si on se fait pas attaquer, c'est un miracle. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. On va se faire attaquer, c'est obligé. Hein? Qui est là? C'est des raiders. Où ça? Bon bah voilà, c'est réglé. Heureusement que je suis en normal, hein. Parce que si j'étais en facile, qu'est-ce que ce serait? Bon, on va prendre un petit peu les objets que je vais trouver, hein. Ça fait toujours des objets à donner à mes habitants de mon abri personnel. Regardez ce qu'on a. Où ça? Ah ouais, une mouche. Une affaire de réglé. Hop, de la viande de mouche. Ça doit être super bon. Et mon café commence à être froid. Tiens, bah écoutez, justement, on parlait de l'enclave. Donc je vais mettre la radio de l'enclave. À très bientôt. On va écouter un peu de propagande. Oula. Alors, par contre, je vais juste augmenter un petit peu le son de la radio parce que c'est assez... Ouais, on va mettre comme ça. Ça devrait le faire, je pense. Terminé. Voilà. On va pas prendre que des armures de raider non plus, hein, parce que j'ai pas envie que tout le monde soit habillé comme des sauvages. Où est-ce qu'elle est passée, là, Vera? Vera, quand je la retrouverai, eh ben je la verra. Quelle blague pourrie. Ah, salut les mecs. Donc ça, c'est des voyageurs, justement, à mon avis. Salut. Voilà. Ça fait plaisir. Ça, c'est lié au mode. Salut. Donc là, on a un groupe de voyageurs. Salut. Dont un marchand. Ça fait plaisir de vous voir. Quels sont les besoins? Voilà, même les mecs, hein. Donc là, du coup, je peux, si je veux, vendre 2-3 trucs. Mais après, est-ce que je vais vraiment en avoir besoin pour l'instant? Non. Donc on va laisser tranquille ce groupe de voyageurs, ils nous intéressent pas. Et... Salut. Une mercenaire qui doit sûrement être aussi... Oui. ...liée au mode. Bien que ce soit la première fois que j'en croise une. Et parfois, il y a des petits événements spéciaux, donc j'espère qu'on tombera dessus, que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir, quoi, comme événement. Ça peut être sympa. Mais après, je pense que j'enlèverai ce mode, parce que le bug qui va avec n'est pas cool. Bon, là, je sais pas ce qu'elle fait, mais je vais la suivre en discrétion, puisque c'est ce qu'elle semble pas une bonne faire. Idée. Non, mais t'inquiète pas, je vais pas te faire les poches. Franchement, je sais pas trop à quoi elle joue. Ça, c'est pas très grave. Ah, ACL, West. D'accord, donc... En fait, ça doit sûrement être le lieu de la quête qui a été rajouté comme un lieu sur la carte. Je vais vérifier, mais ça a l'air d'être ça. Effectivement. C'est quand même éloigné, hein, un petit peu. J'aurais certainement coupé pas mal de passages. C'est indispensable. Ah, attendez. Tuer le coursier et prendre le disque. Bon bah, je vais le tuer alors. Oula. Rebonjour, magnifique Amérique. Oh, il y a un hélicoptère qui passe. Oula, tu m'as fait peur, toi. J'ai envie de discuter avec vous deux. Saviez-vous qu'il y a parmi nous des gens prêts à abattre les espoirs de paix? Est-ce que j'ai un sniper? Sécurité. Ces mécontents ne s'intéressent pas. Ils se moquent de l'Amérique. Ils ne se préoccupent que de leurs désirs égoïstes. Parfait. Passons en revue ces agitateurs. Il y a bien entendu les Raiders, ces voyous anarchistes qui parcourent les terres désolées, s'attaquant à tout et à tous, volant et pillant. La... Oh, hey, doucement. L'acier. Que vous
laissez pas abuser de votre chevalerie grotesque. Regarde ici, petit con. Oh merde, il y a du monde là. Oh mon dieu. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oui, je suis pas en très bonne santé, j'ai bien remarqué, hein. Oh mais quelle boulette, elle est... Ah non, elle est pas morte. Elle est invincible. Heureusement, parce que... Elle se serait fait défoncer, ça c'est clair et net. Bon, c'est très particulier, la mission est quand même... assez ardue. Je vais devoir reculer un peu, parce que là, ça va pas trop, trop... C'est pas super, quoi. Je suis dans une situation assez... emmerdante. Oui, oui. On verra plus tard, ça. Est-ce que j'ai pas une arme plus puissante? Et ceux qui s'opposent à nous disparaîtront à jamais. Et maintenant, chers citoyens d'Amérique, on va acheter quelques grenades au pire. Voilà. Il y a beaucoup à faire, et l'enclave ne se repose jamais. À très bientôt. Allez vous faire foutre. Merde. Non, pas l'épée. Black Hawk. Non. Attendez, je l'ai pas dans les raccourcis. J'ai que ça dans les raccourcis. Putain. Nom de Zeus. Bon. On va faire comme on peut. Oh la vache. J'aurais dû essayer d'exploser les hélicoptères en plein vol si j'avais su. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Bon. Droit vers votre cœur. Ce travail ne déshonore jamais l'homme. Oh la vache, ils sont trop nombreux. Oh, je crois qu'il y en a un qui a explosé. Il n'y avait pas eu trop d'action, et ben là, vous êtes servi. Je crois que je les ai tous tués. Et je monte de niveau, tu m'étonnes. Eh ben nom de Dieu. C'était une sacrée bataille. Donc on va augmenter un petit peu les armes légères. La science, oui. Oui, médecine, ce sera utile aussi parce que j'aurai besoin de me soigner assez régulièrement. Le troc bof. Discours, ouais. Leur fonction, vous offrir, chers citoyens d'Amérique, alors. Les joies du sport et du plein air. Bon, bah la priorité, c'est de prendre éducation, hein. Comme ça, je gagnerai 3 points de plus à chaque fois que je monterai de niveau. Donc forcément, comme dit, il vaut mieux choisir cette aptitude le plus tôt possible pour en optimiser l'effet, ce qui est assez logique. Donc dès qu'elle est disponible, on la prend. Confort, loisir, saine concurrence. Bon. Tout reviendra. Ce pays va revivre. Alors, rappelle-toi, Amérique. Je vais prendre toutes les munitions que je peux. Sans relâche au retour de minigun, ta bon. Il ne te faut qu'un peu de patience. Oh, allez, je vais en prendre un. Peu de foi. À une prochaine au moins fois, quoi. C'était votre président John Henry Eden. C'était quoi cette mission suicide que où tu m'as envoyé, Vera, là? C'est un petit peu abusé, je trouve. Non, on va faire fouiller les cadavres jusqu'à trouver l'holodisque que je recherche. Ouais, oh, ça va, hein. Tu vas commencer par fermer ta gueule, toi. Ah, laser galting, c'est plus sympa.
mais j'en veux pas. Ça, je crois que c'est une jambe. Et qu'elle bug aussi. Attendez. Je crois que je n'ai pas tué tout le monde. Et au final, j'ai toujours pas l'holodisque. Hop. Ici le président Eden. Et vous écoutez la radio de l'enclave. La voix de l'Amérique. Rebonjour. Alors attendez. Amérique. Ici le président John Henry Eden. Et j'aimerais discuter avec vous si vous avez quelques instants. Ouais, je devrais pouvoir trouver l'holodisque comme ça. Du gouvernement, voulez-vous ? Ou plutôt de votre gouvernement, chers Américains. L'enclave. Écoutez un petit peu cette propagande. Mais qu'est-ce au juste l'enclave ? Oh, c'est simple. L'enclave, c'est l'Amérique. L'enclave est votre sœur, votre tante, votre amie, votre voisine. Voilà. Eh bien oui, je suis aussi l'enclave. En tant que président, donc il faut retourner à l'hôpital. C'est à moi qu'il appartient de diriger notre grande démocratie. En tant que président, je suis la voix, le cœur de l'enclave. Le cœur. C'est-à-dire la voix, le cœur et l'âme de l'Amérique. Comme vous pouvez le constater, c'est une sacrée propagande. Ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Il faut que je trouve Béatrice. Retrouver la situation d'avant-guerre, la beauté, la puissance. Une enclave, une Amérique. Maintenant et pour toujours. Allez. Et maintenant, chers citoyens d'Amérique, je vous dis au revoir. Il y a beaucoup à faire et l'enclave ne se repose jamais. Jamais. À très bientôt. Ici votre président, John Henry Eden, terminé. Alors. Non, ça c'est Vera. Où est-ce qu'elle est, Béatrice ? Salut ! Sûrement à l'étage, je sais pas trop. Ah bah elle est là, elle est sur le PC, je sais pas ce qu'elle fait. Un petit oui. peu bugué, mais c'est pas grave. À propos de la mission, félicitations, voilà votre récompense, vous pouvez maintenant donner des ordres à Vera, qui vous accompagnera dans toutes vos sorties. Ouais, super ! Voici aussi la clé de votre chambre, profitez-en. J'ai une chambre maintenant. Ah ouais, apparemment. Bonjour. N'hésitez pas à parler à Suzy, elle recherche des personnes pour un boulot spécial. Oui, à plus. John Henry Eden. Alors. J'aimerais bien savoir où est cette chambre. Il faut que je cherche un petit peu. Un petit contingent. Elle assure le succès des faibles et offre l'estime de tous. Ah, voilà. Donc c'est sûrement ici ma chambre. Bon, ok. Donc la clé du réacteur. Ok. Je crois que j'ai activé en même temps la... Ouais, donc... Enlevez le jukebox. Désactivez le jukebox, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Parce que je voulais éviter le mélange de musique, si vous voulez, mais bon, là, manifestement, c'est pas possible. Oh, il est assez stylé comme appartement.